Et pour attaquer 2020 avec le sourire, l'équipe de France 3 Pays de Corrèze vous a sélectionné le meilleur ou le pire de l'année dernière. Entre fou rire, cafouillage et autres chutes, voici notre traditionnel bêtisier. Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous sommes à... J'ai postillonné, je vais le refaire. Effectivement, nous sommes aujourd'hui... Ouais, aujourd'hui, ce soir. Attends, pardon, excuse-moi, je suis pas prêt. Concentration. Ça tourne. Non, ça tourne pas. Nous sommes à Saint-Germain-la-Vops. Il manque un L. C'est sûr, c'est sûr. Alors attends, parce que je ne me rappelle plus. Ne transige pas, ouais, allez. Emmanuel Wargon qui a notamment visité le futur je sais pas quoi. On devrait voir du spectacle et puis... Ici, à Ussel, le musée du pays du sel, je sais plus ce que je devais dire. Pardon. Il s'apprête à entamer une grève illimitée et je ne sais plus ce que je dois dire. Rien de plus normal donc que j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est dire que je sais plus quoi. Et là, je me rappelle plus. En Corrèze, si l'on vous dit cheval, évidemment, vous pensez à Pompadour. J'ai un bug. Quelles sont les clés de ce succès, de votre longévité? Oh, je vais pas y arriver, je vais la refaire. Quel est le succès de votre longévité? Oh, longévité, parfait. Et alors, quel est le succès de votre longévité? La raison de votre longévité. Pour faire pression, les collectivités littéraires. Chacun va t'ouvrir. Hop! Chacun va t'ouvrir. Beaucoup de documents administratifs ont pu être sauvés des flammes, ont pu être. En Corrèze, depuis 6 ans, ces boutiques éphémères permettent aux artistes et aux artistes locaux... L'enjeu est simple, maintenir du lien en milieu rural et des services en milieu rural. Ça fait beaucoup de milieu rural. Que beaucoup de personnes viennent ici pour se former à apprendre, voilà. Pour se former à apprendre. À apprendre. S'il n'en existe que 10... Et rester long, et rester... Wow. Le véritable refrain... Hop oh. La fin de votre journal... Hop oh. N'importe quoi. Voilà, vous savez tout. Tout commence en 1952 avec le fameux bol d'or. Il s'apprête à entamer une grève illimitée. Ah. De toutes les dégradations éventuelles qui pourraient naître. Donc... Et en attendant que Bénin... On a des matières qui sont générales et des matières qui sont plutôt techniques. Donc ça nous permet d'avoir en plus un large panel en fait de... J'y arrive pas. La loi Garot est née il y a 3 ans et elle empêche les grandes enseignes de gaspiller des denrées alimentaires. Ouais Michel, vas-y. Il n'y a pas d'autre aller quoi. Sans déconner, tu peux pas te foutre ailleurs. Anthony, quant à lui... Ce reportage est pharaonesque. Non mais vous voulez me saboter les mecs là. C'est primordial. Voilà. C'est bon, on y va, ça tourne. On en parle juste après, le reste. Qu'est-ce que j'ai le temps. Aujourd'hui, nous sommes à Tulle, où la maison des enfants... T'es con, quoi. Aujourd'hui, nous sommes à Chaméra. C'est impossible. Je fais que te regarder, toi, c'est pas possible. Une mauvaise nouvelle pour les éleveurs. Ah, merde. Là, c'est pas vrai. Ça se voit plus maintenant. On parle pas la bouche pleine. J'ai pris un trop gros goût. J'y arriverai jamais. Il se 5, 4, 3, 2, 1. Du coup, 5, 4, 3, 2, 1, je vais y arriver. Oh, ah. Sachez que Benjamin dédicacera son livre samedi prochain à la librairie Briviste, La baignoire d'Archimède. Oh, oh, je dis n'importe quoi, toi. Oh. Allez, allez.
Cassez la voix, pa ba ba, cassez la voix. Un problème pour les autorités qui peinent à organiser la sécurité. C'est la fin de cette édition France 3 Pays de Corrèze, tout de suite le journal régional, mais avant cela, toute l'équipe de la locale vous souhaite pour 2020 beaucoup de joie, bienveillance pour vous et vos proches, une excellente santé, plein de bonheur et le maintien pour le CAB. Bonne année. Bonne année. Bonne année.